Tov à toutes. En espérant Bezrat Hashem que votre Shabbat s'est bien passé et que Bezrat Hashem vous avez reçu toutes les réparations, toutes les brachot du tzaddik Bezrat Hashem. Alors il y a une Torah dans l'Écouté Moran, il y a un enseignement dans l'Écouté Moran qui est un enseignement sur Rabbi Shimon Bar Yochai et qui se trouve avant de commencer le Likutei Moharan. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des enseignements du Likutei Moharan. C'est un enseignement qui est comme une préface du Likutei Moharan. C'est-à-dire qu'il y a cet enseignement-là qui n'est pas numéroté, qui n'est pas dans les enseignements du Likutei Moharan. Et ensuite va commencer l'enseignement Aleph, le premier enseignement du Likutei Moharan. Mais avant ça, il y a une Torah, un enseignement sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Nachman dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, iftiach shelo tishtakach Torah Mizrael al yado. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a garanti que la Torah ne s'oublierait pas du peuple juif grâce à lui. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, quand les Chachamim sont rentrés dans une vigne, se sont réunis dans une vigne de Yavné, ils ont dit, atida Torah tishtakach Mizrael. La Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. Et Amar Rabbi Shimon, il a dit que la Torah ne s'oubliera pas parce qu'il y a un pasouk qui dit que l'otishakar me pizaro. C'est-à-dire que la Torah ne s'oubliera pas de la descendance du Ham Israël. Comme c'est écrit dans le Zohar, Ba'i chibura deu sefer ha-Zohar ifkun ben migaluta. Grâce au Zohar, le Ham Israël va sortir de la galoute. Va'ata bour et aveniflaot nistarot shel Torahtenu HaKdusha. Maintenant, viens voir les merveilles de notre Torah, les secrets de notre Torah. C'est pourquoi Rabbi Shimon il a amené ce verset là que la Torah ne s'oubliera pas de sa descendance. Un pasouk dans Dvarim, dans le Chumash Dvarim. Parce que Béhémet, dans ce passouk lui-même, il y a le secret de Rabbi Shimon. Quand la Torah a dit, la Torah il ne s'oubliera pas de sa descendance, dedans il y a un secret qui veut dire de la descendance de Rabbi Shimon lui-même. C'est-à-dire du père de Rabbi Shimon, qui s'appelait Yochai, qui est Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, c'est grâce à lui que la Torah ne s'y oubliera pas du Ham Israël. Maintenant, si on prend le pasouk, qui l'otishakach mi pizaro, alors les dernières lettres, ça fait Yochai. L'otishakach mi pizaro, elle ne s'oubliera pas de sa descendance. De qui? De Yochai. C'est qui la descendance de Yochai? C'est Rabbi Shimon bar Yochai, le fils de Yochai. Et ça, c'est ce que nous révèle cet enseignement-là, ce verset de la Torah, que on a une garantie que la Torah ne s'oubliera pas grâce à la descendante de Yochai, qui est Rabbi Shimon. Maintenant, lui, Rabbi Shimon bar Yochai lui-même, son nom, il est ramené dans un autre pasouk, qui est dans Daniel, que là-bas, il y a écrit un pasouk qui dit « Ir vekadish min shmai anachit » Il y a un homme éveillé et saint qui va descendre du ciel. Et si on prend les premières lettres de Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, c'est Shimon. Donc d'un côté, on a Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il est descendu, sa Neshama, elle est descendue du ciel, et il s'appelle un homme réveillé et un homme saint. Et d'un autre côté, on a un passage qui nous dit que la Torah ne s'oubliera pas grâce à la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est écrit dans le Zohar, grâce au Zohar, le Ham Israël va sortir de la galoute. Maintenant, le contexte dans lequel on se trouve, dans la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on arrive à l'adoucissement de la période du Homer, parce que pendant tout le Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts tous les jours, ils mouraient des élèves de la yeshiva de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était le rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai faisait partie des plus petits élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Maintenant, ces 24 000 élèves, ils sont morts parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux.
il n'y avait pas d'amitié entre eux. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbi Shimon il est arrivé, il a compris, il a vu qu'il y avait 24 000 tzadikim. Ce n'étaient pas des élèves simples, c'était tous des tzadikim, j'ai écrit dans la Torah. Que tous les élèves de Rabbi Akiva, c'était des tzadikim, ils étaient 24 000. Maintenant, ces tzadikim-là, ils sont arrivés à une connaissance extraordinaire de la Torah, mais ils ont eu un problème, c'est qu'il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait pas d'amour entre eux, ils ne se respectaient pas. Quand HaKadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a décrété et de les éliminer à tous, et ils sont tous morts jusqu'à l'Akba Omer. À l'Akba Omer, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon, et c'est en même temps à l'époque où se sont arrêtés de mourir les élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire cette Gzera, ce décret-là, il s'est terminé. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on arrive, à un tel bouleversement? D'un côté, on a Rabbi Shimon qui nous dit « La Torah ne s'oubliera pas du Ham Israël, parce que maintenant, je vais amener le Zohar dans le monde. » D'un autre côté, on voit cette Gzera terrible que 24 000 tzadikim, une yeshiva de 24 000 tzadikim, c'est une ville entière de tzadikim qui sont morts comme ça parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait pas de respect entre eux. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, nous, on va faire une yeshiva qui va être basée sur l'amitié. Il a dit, Anan bechavivuta tamilamilta. Sachez que nous, on va ouvrir une yeshiva et que cette yeshiva, la base d'entrée de cette yeshiva, c'est la condition, c'est qu'il y ait de l'amitié entre les élèves. Pourquoi? Parce que lui, il a vu qu'on est arrivé au summum de la Torah avec 24 000 tzadikim et que tous ces tzadikim-là, ils sont morts parce qu'il n'y avait pas d'amitié, pas d'amour entre eux. Donc lui, il a dit, c'est ça le problème. Donc on va commencer, nous, une yeshiva avec ça. Condition d'admission à la yeshiva, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on s'engage à l'amour et l'amitié entre les élèves. Ça, c'est le point de départ. Donc quand Rabbi Shimon, il a commencé cette yeshiva-là, il a commencé à révéler le Zohar. Parce que le Zohar, la révélation du Zohar, c'est le début d'une révélation de l'amour du Ham Israël, d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. C'est-à-dire, depuis la création du monde jusqu'à Rabbi Akiva, il y avait une certaine façon de voir les choses. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour aider l'homme, pour donner à l'homme, c'est par amour. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que par amour. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour faire du mal à qui que ce soit, ou pour exploiter qui que ce soit, ou pour faire souffrir qui que ce soit. Hachem, il a créé le monde pour nous donner, pour nous permettre de vivre dans ce monde et de chercher Dieu, de manière à ce que quand on va être après 120 ans dans le monde futur, on aura des récipients qui nous permettront de nous approcher de la lumière d'Hachem qui est infinie. Et plus dans ce monde, on aura cherché à Kadosh Baruch Hu, et plus ça sera pour nous facile de nous rapprocher de lui dans le monde futur et d'aller même plus proche que des anges, comme c'est écrit que les Bnei Israël dans le monde futur, ils arrivent à s'approcher d'Hachem encore plus que les anges. C'est-à-dire le but de ce monde, c'est la recherche d'Hachem de manière à faire des récipients qui puissent contenir de la lumière infinie. Et dans le monde futur, on pourra, grâce à ces récipients, pouvoir vraiment se rapprocher, chacun selon les récipients qu'il a, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu plus. Alors quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est écrit qu'il a créé le monde avec la Midat Adin. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la rigueur. Pourquoi avec la rigueur? Hachem, il a dit, regardez, moi je vais vous créer un monde, que ce monde-là, il va vous permettre d'arriver à me connaître. Donc maintenant, ce que je vous demande, vous n'avez rien fait pour que ce monde existe. Moi, je vous ai fait un monde merveilleux où il y a des milliers d'oiseaux, des milliers d'animaux, des montagnes, la mer, des choses extraordinaires, des poissons, tout ce que vous voulez. Moi, je vous ai fait un monde extraordinaire. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de respecter ma loi de manière à ce que vous puissiez arriver à me connaître. Je vous donne des lois. Mais maintenant, je veux un respect de la loi. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a imposé la loi. Et cette loi allait faire en sorte que maintenant, chacun, il était obligé de suivre la loi. Et si maintenant, les gens ne suivaient pas la loi, c'est la destruction du monde. Donc c'est arrivé le déluge. Les gens, ils n'ont pas suivi la loi. Les gens, ils ont commencé à faire des bêtises. Kadosh Baruch Hu, il a décrété le déluge et il a effacé tous les êtres vivants du monde, à part Noé.
Il a tout nettoyé, tout rasé le monde, parce qu'il a dit, moi je vous ai demandé un comportement adéquat par rapport au cadeau que je vous ai fait, qui est la vie, qui est l'existence dans ce monde et la possibilité de me connaître. Donc par rapport à ça, je demande un comportement qui est adéquat, voilà ce que je vous demande. Je vous demande pour les non-juifs de faire les lois d'Ibn Noir et pour les juifs de faire les 613 mitzvot. Si vous ne faites pas ça, ça c'est que je vais détruire le monde, je vais vous détruire aussi. Ça c'était le plan au départ, c'est-à-dire c'était un plan rigoureux, mais pas un plan rigoureux pour la rigueur, c'était la méthode. Le plan c'était l'amour, Hachem il a fait ça, tout ça par amour, mais il a demandé une méthode rigoureuse. Ok. Maintenant, il y a une Torah. Cette Torah, elle a été trouvée par les tzadikim. Noach, il connaissait la Torah. Abraham, il connaissait la Torah. Et Shem Ve'ever, il y avait la yeshiva de Shem Ve'ever, où ils ont étudié. Noach, il a étudié là-bas. Abraham, il a étudié là-bas. Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Les gens, ils étudiaient, ils connaissaient déjà la Torah avant la révélation de la Torah. Ensuite, il y a eu Matan Torah, révélation de la Torah pour tout l'âme Israël. Et voilà, on avait toutes les halachot, la Torah, on a su exactement tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, le problème, c'est que ça restait dans une optique de rigueur. C'est-à-dire, la méthode, c'était une méthode de rigueur. C'est-à-dire, il fallait apprendre la Torah, connaître la Torah, l'appliquer, mais c'était une méthode rigoureuse. Maintenant, cette méthode-là, elle est arrivée jusqu'à Rabbi Akiva, qui ont 24 000 élèves. Le fait que maintenant, ces tzadikim-là, ils employaient une méthode rigoureuse dans leur Torah, ça donnait qu'après, les gens, ils n'arrivaient pas à s'aimer, parce qu'ils vivaient dans une approche de la Torah qui était rigoureuse. Ça s'entraînait que plus ils sont devenus grands dans la Torah, plus ils ont commencé à se détester les gens, à se faire des histoires. Comme on voit des fois des grands dans la Torah qui se disputent, etc. On ne comprend pas, on dit mais comment des gens qui connaissent la Torah tellement, des grands rabbanim, se disputent, etc. Il faut savoir que comme la Torah, c'est une méthode de rigueur, alors les gens qui étaient dans cette Torah, ils ont fini par avoir une rigueur entre eux et ils sont arrivés à ne pas s'aimer. Et ça, c'était le contraire du plan d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, quand les Chachamim, ils ont dit « la Torah va s'oublier », ils ont vu que comme les gens, ils allaient avec cette Torah de rigueur arriver à ne plus s'aimer entre eux, automatiquement la Torah elle allait s'oublier. Donc les Chachamim, ils ont dit, cette Torah-là, comme elle est là, elle va s'oublier. Maintenant Rabbi Shimon, il est venu, il a dit, non, la Torah, elle va pas s'oublier parce que moi, je vais amener le Zohar. Qu'est-ce que c'est le Zohar? Le Zohar, c'est une Torah très élevée qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans le monde par amour pour l'âme Israël. Il a dit, regardez, moi, je vous envoie maintenant les secrets de la Torah, qui sont, Béhémet, toute la preuve de mon amour pour vous. Vous allez voir, derrière chaque halakha, vous allez voir comment je vous aime. Maintenant, vous, quand vous voyez la halakha, vous ne croyez pas qu'Hachem il vous aime, parce que vous dire c'est difficile la halakha. Hachem nous demande de faire Shabbat, il nous demande de ne pas faire des 39 travaux, il demande de ne pas faire ça, il y a le Mouktsé, il y a ça, il nous demande de faire la kashrout, la pureté familiale, les choses. Il y a beaucoup, beaucoup de restrictions. Maintenant, cette notion de restriction, elle vient parce que c'est une approche qui est extérieure de la Torah, une approche que du côté rigoureux de la Torah. Quand le Zohar il est venu, il a ouvert l'intérieur de la Torah. Et on a vu que maintenant la Torah, c'est pas du tout de la rigueur, c'est que de l'amour, c'est tout. Comme par exemple un père, par exemple, qui est rigoureux avec son fils pour pas qu'il fasse de bêtises. Et quand l'enfant grandit un peu, il se rend compte, il se dit « Mais attends, mais mon père, tout ce qui m'a empêché, il m'a empêché de m'acheter une moto, il m'a empêché de faire ça et tout, mais c'est uniquement parce qu'il m'aimait. Derrière ça, il n'y a que l'amour de mon père. » Une fois qu'il se rend compte de ça, alors il aime son père encore plus. Il dit « Comment mon père, il m'a protégé, il a passé toute sa vie à essayer de me protéger, de m'aider pour que je réussisse. » Et tout le côté rigoureux, c'était juste une méthode pour me faire arriver à la réussite, c'est pas du tout. Il y avait derrière ça, il y avait pas du tout de haine ou de mon père il m'aimait, c'était que de l'amour. Maintenant pour arriver à se rendre compte de ça, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière la méthode. La méthode extérieurement, elle a l'air rigoureuse, c'est la halakha, mais derrière cette halakha, c'est que de l'amour, c'est tout. La halakha elle vient que par amour, pas pour autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui a révélé ça? C'est le Zohar. Quand Rabbi Shimon il est venu, il a révélé que chaque halakha, il vous montre que chaque chose que la Torah elle vous dit, c'est que de l'amour. C'est des choses très très élevées qui sont que de l'amour d'Hachem. C'est ça qu'il a ramené Rabbi Shimon. Donc il a dit à partir de maintenant, il commence une nouvelle Torah. Au lieu maintenant de présenter la Torah
comme étant quelque chose de rigoureux à laquelle il va falloir se soumettre, on va commencer quelque chose de nouveau complètement, qui va être la révélation de l'amour d'Hachem pour son peuple. Et ça, c'est le Zohar. Il a dit, c'est pour ça qu'ils vont sortir de la galoute. Parce que toute la galoute, tout l'exil de chacun, il vient uniquement parce que la personne, elle est dans la rigueur. Elle croit qu'Hachem, ce qu'il lui envoie dans sa vie, c'est de la rigueur. Mais si les gens, ils savaient que tout ce qui se passe dans notre vie, même des choses désagréables, c'est que de l'amour, c'est pas autre chose. Alors ça serait complètement différent. Le Rav Scherter, il donne un exemple, il dit une fois, il y a un roi qui a envoyé sa fille, la princesse, il a envoyé, il a dit voilà, il y a maintenant des corsaires, des mercenaires qui vont te prendre et vont t'emmener dans un bateau. Alors elle est partie, elle était entourée par ces corsaires-là, ces gens qui faisaient très très peur. Et elle ne savait pas que le chef de tous ces bandits, c'était son père qui était déguisé comme ça. Il dit maintenant, elle souffrait parce qu'elle ne savait pas que c'était son père qui s'était déguisé en mercenaire, en corsaire comme ça, en pirate qui faisait peur. Maintenant, si elle avait su que derrière ce vêtement de pirate, c'était son père, alors toute sa douleur qu'elle avait sur ce bateau, ça s'est transformé en une croisière. Ça aurait pu être du monde matériel. Elle s'habille sous une forme. C'est-à-dire, il y a une mesure de temps, il y a une mesure de poids, il y a une mesure d'espace. C'est que des mesures, la Torah. Dès qu'on parle de mesure, alors on parle de rigueur. Parce qu'une mesure, c'est une rigueur. C'est-à-dire, quand on dit, voilà, à partir de 2 kilos de farine, tu vas faire tu vas prélever la challah avec bracha, et s'il y a moins que 2 kilos de sang, alors tu prélèveras ça. Alors, c'est rigoureux, c'est-à-dire, c'est tout des. On doit allumer les bougies 20 minutes avant la shkia, le coucher du soleil, il faut allumer les bougies, et il faut faire ça, et la soudash lichit avant cette heure-là, et le matin, le schéma, comme ça. C'est une méthode qui est dans du temps, dans de l'espace, dans des volumes, dans du poids, etc. Ça a l'air rigoureux. Mais derrière cette rigueur-là, il n'y a que de l'amour, c'est tout. C'est une méthode qui véhicule l'amour d'Hachem. Seulement, nous, on est arrivé dans des générations, on est tellement descendu dans le côté rigoureux de la Torah que les gens, ils ne supportent plus. Pourquoi les gens, ils sont éloignés de la Torah? Parce qu'on leur a présenté la Torah comme étant quelque chose de rigoureux. Et les gens, ils supportent la Torah. Ils disent, bon, on est d'accord, eh bien, on va faire la halakha et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils aiment. Mais ils se sentent, leur conscience leur dit, bon, il faut faire Shabbat et tout quand même, on est juif et tout, on est obligé de faire le Shabbat, tout ça. Mais leur cœur, il n'est pas dans le Shabbat, leur cœur, il est à côté, dans un autre monde. Mais s'ils savaient que chaque halakha, c'est que de l'amour d'Hachem, alors ils feraient la Torah avec une autre chose. D'abord, ils ne feraient que ça, ils ne s'investiraient pas leur plaisir dans autre chose que dans la Torah, parce qu'ils savent que dans chaque halakha, il y a derrière ça que de l'amour. Et maintenant, leur vie, ça serait une vie de joie permanente dans les mitzvot, parce qu'ils savent que derrière chaque halakha, c'est caché, c'est des secrets de l'amour d'Hachem pour son peuple. Et ça, c'est le début de la révélation des secrets de la Torah. C'est pour ça que dans les pays, principalement, où la Torah, le Zohar, il a été refusé en Allemagne. En Allemagne, Rabbi Nachman dit qu'en Allemagne, c'est là où on imprimait le plus le Zohar, mais c'est là où personne n'étudiait le Zohar, parce que les Allemands, les Juifs allemands, ils étaient contre le Zohar, ils étaient contre les secrets de la Torah. Ils voulaient rester dans une Torah qui était uniquement une Torah de rigueur, parce que quand quelqu'un il a une Torah de rigueur, alors une fois qu'il s'est acquitté de son devoir, alors après il peut avoir des plaisirs dans d'autres domaines. Mais quand quelqu'un il rentre dans les secrets de la Torah, il ne peut plus avoir des plaisirs dans rien du tout, parce que tous ses plaisirs ils sont que dans la Torah, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il voit que c'est tellement merveilleux qu'il va aller chercher nulle part d'autres des plaisirs que dans la Torah. Alors les Allemands, eux, ils étaient contre le Zohar, et ils ont commencé à, les hommes juifs, ils ont commencé à porter des vêtements courts, des vestes courtes. Il faut savoir qu'avant, à cette époque-là, quand ils ont commencé à raccourcir leurs vêtements, c'était un choc. C'est-à-dire un homme qui osait raccourcir son habit alors qu'il portait des habits qui allaient jusqu'au mollet. Quand les hommes ils ont commencé à raccourcir avec des vestes courtes, c'était quelque chose d'aussi audacieux que les mariages des trucs homo là qu'il y a aujourd'hui. C'est la même chose. À l'époque, c'était une audace terrible de faire des choses comme ça. Ça a été très très audacieux.
C'est pour ça qu'on appelle les juifs allemands, on les appelle les Yekes, parce qu'ils portaient des jaquettes. Le mot Yekes, ça vient de jaquette, parce qu'ils sont mis à porter des jaquettes. Et ça, c'était une très grande, ça a été une très grande violation de la Torah de faire ça. Parce que ces vêtements courts, ça a entraîné beaucoup de choses dans le comportement. D'abord, ça a accéléré l'assimilation, etc. Et ça a entraîné après, Hachem Ishmor, ce qu'il y a eu, que toutes ces choses-là, elles sont venues, après toutes les xérotes qu'il y a eu, elles sont venues uniquement parce qu'il y a un refus des secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah, ils sont venus pour adoucir le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené le Zohar pour adoucir toute la rigueur du monde. Maintenant, les gens qui ont refusé Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ils ont entraîné de la rigueur dans le monde terrible, parce qu'il n'y avait plus de moyens de sauver l'humanité. C'est-à-dire, comment on va sauver l'humanité? Maintenant, Hachem, il envoie des cadeaux. Il envoie des cadeaux dans le monde. Alors il ne nous demande qu'une seule chose, il nous demande rien que de lui dire merci et d'être joyeux, c'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Mais les gens, ils ont voulu rester dans la rigueur. Comme les élèves de Rabbi Akiva, ils sont arrivés avec une Torah de rigueur qui a fait qu'ils sont morts de ça. Alors que c'était des tzadikim, ce n'est pas des gens qui faisaient des averot. Mais avec toute cette Torah, comme ils sont arrivés à un manque de respect et d'amour entre eux, ça a prouvé, eux-mêmes, ils ont prouvé la limite de cette Torah-là. Puisque eux-mêmes, ils sont arrivés à ce comportement-là avec cette Torah. Donc Rabbi Shimon, il est venu, il a amené l'amour de la Torah. Il a révélé l'amour de la Torah. L'amour d'Hachem, l'amour du Ham Israël, l'amour de la terre d'Israël. C'est-à-dire de commencer une Torah que par amour. Et Rabbi Shimon, il avait un élève. Si vous avez déjà été sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous verrez que quand vous rentrez dans la... Il y a deux cours avant de rentrer là où il y a la tombe de Rabbi Shimon. Maintenant, entre les deux cours, sur le côté droit, il y a un tzaddik là-bas qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Il y a une tombe d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Maintenant, ce Rabbi Yitzhak, c'était un élève de Rabbi Shimon. Alors un jour, il est venu voir Rabbi Shimon et il était triste. Ce Rabbi Yitzhak, il était triste. Alors Rabbi Shimon, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, voilà, on est venu dans le rêve, on m'a révélé que je vais bientôt mourir. Alors Rabbi Shimon, il a dit, ne t'inquiète pas, viens, assieds-toi à côté de moi. Rabbi Shimon, il est monté dans le tribunal en haut. Il a dit, regardez, ce Rabbi Yitzhak, c'est mon élève. Donc c'est mon élève, il reste avec moi. Le jour où je monte, je le monterai avec moi. Pour ça qu'il est enterré là-bas, parce que lui aussi, il est mort à l'Akba Omer. Il est mort le même jour que Rabbi Shimon. Il a vécu 12 ans ou 17 ans après cette Gzéra. Normalement, il devait mourir, mais Rabbi Shimon, il l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il y avait un tel amour entre Rabbi Shimon et ses élèves qu'il pouvait tout faire. Tout leur était possible uniquement parce qu'il y avait un amour très très grand entre eux, une amitié extraordinaire. Alors ça leur permettrait de tout faire, et notamment de révéler de la Torah qui venait directement du ciel dans la bouche de Rabbi Shimon. C'est écrit toujours dans le Zohar, on voit « Patach ve'amar », c'est écrit dans le Zohar. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et ça parlait dans sa bouche. C'est Hachem qui parlait dans sa bouche. Alors depuis Rabbi Shimon, ça a commencé ce principe-là de révéler les secrets de la Torah pour révéler que la Torah, Béhémet, c'est de l'amour. C'est ça qu'il faut prendre, c'est de ça qu'il faut prendre conscience, et c'est ça qu'il faut enseigner à ses enfants, c'est que la Torah, il n'y a aucune rigueur, c'est que de l'amour. Mais quand maintenant cet amour, il doit rentrer dans des mesures, c'est pour ça qu'on est obligé de parler de mesures et de temps et de choses qui ont l'air rigoureuses. Mais il n'y a aucune rigueur derrière ça, il n'y a que de l'amour, Béhémet. Alors Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il a mis cette Torah-là avant de commencer le Likout Moharan. Et quand Rabbi Nachman, il a fini cet enseignement sur Rabbi Shimon, il a dit, « Ve'achshav, et maintenant, il y a Nachal Novea Mekochochma. » Maintenant, il y a Nachal Novea Mekochochma, c'est-à-dire il a dit, « Maintenant, je suis venu, moi, dans le monde, et moi, je vais révéler des choses encore plus grandes, et je vais faire des réparations encore plus grandes que tout ce qui a été fait par Rabbi Shimon Bar Yochai. » Rabbi Nachman, il a dit, maintenant je vais amener quelque chose, des choses encore plus profondes et qui vont réparer le monde encore plus. Alors maintenant, si vous voulez, il y a un système
qui s'est inversé par rapport à la Torah comme on la connaissait avant. C'est-à-dire le fait que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des secrets de la Torah comme ça, gratuitement, parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il mérite ces secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah qui sont venus dans le monde de façon entièrement gratuite, ils attendent une seule chose de notre part, c'est qu'on remercie Hachem et qu'on soit joyeux, c'est tout. Parce que Hachem, il nous envoie une lumière aujourd'hui dans nos neshamot, une lumière extraordinaire. Vous savez, Baruch Hashem, vous êtes là, vous allez à Ouman, vous avez passé Shabbat à Ouman, etc. Nous, on était à Ouman, Baruch Hashem, il y a 35 ans, la première fois que j'étais à Ouman, vous pouvez demander à ma femme, c'était quelques mois après notre mariage, je lui dis, je ne sais pas si je reviendrai ou pas, mais moi, je dois aller à Ouman. Et à l'époque, c'était le KGB, on était arrêté par le KGB, on passait des interrogatoires, c'était interdit, on ne pouvait pas aller sur la tombe de Rabbi Nachman. Alors nous, on a été, c'était en 1979, et à cette époque-là, d'aller là-bas, c'était un peu comme vous avez été maintenant avec tout ce qui se passe en Russie et tout, mais c'était, c'est-à-dire, on savait que d'aller à Ouman, ça allait nous coûter ce que ça allait nous coûter. Bon, Hachem, il n'y a jamais eu rien de grave, c'était que des interrogatoires et un petit peu des menaces, des choses comme ça. Mais c'était, il fallait aller Bemesirut Nefesh, Gamour, et aller en allant comme ça, on savait que c'était interdit par la police d'aller, ils ne donnaient pas des visas pour aller à Ouman, et c'était toute une histoire, et il y a des milliers de choses qui se sont passées dans ces voyages-là, où il y a beaucoup de livres aussi qui ont été écrits sur ces voyages, avec toutes les difficultés qu'il y a eu à ce moment-là. Mais Hachem, il a amené des chassadim dans le monde, c'est-à-dire Hachem, il a décidé, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, d'enlever complètement le côté rigoureux de la Torah. C'est-à-dire, il a dit, maintenant, je vais vous montrer que je vous aime, et maintenant, je vais vous donner, c'est tout, je ne vais plus tenir compte de ce que vous faites, vous, maintenant, je vais vous donner. C'est écrit dans la paracha, dans la paracha qu'on a lu, Berukotai, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais contracter maintenant avec vous une alliance que vous ne pourrez plus jamais défaire. Alors Rashi dit, c'est une alliance Brit Hadasha, c'est une alliance nouvelle. Il dit, pourquoi elle est nouvelle? Qu'est-ce qu'elle a par rapport à la première? C'est que c'est une alliance, c'est que Hachem qui est garant. C'est-à-dire Hachem, il ne compte plus sur nous du tout. Il a dit, moi je vais faire que vous donner maintenant. N'importe comment que vous soyez, je ne vais plus regarder vos défauts et je ne suis plus exigeant, je ne vous demande rien du tout. Maintenant, je vais tout vous donner cadeau. Je ne vais plus rien vous demander. Je vous donne, c'est tout. Maintenant, il faut apprendre à recevoir. Parce que même de recevoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de recevoir. Il y a des gens, ils ont de l'orgueil, ils ne veulent pas recevoir. Ils disent, non, non, moi, monsieur, je veux payer. Il dit, mais tu n'as pas de moyen de payer. Il dit, non, 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 mais moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas que vous me donnez. Moi, si je peux payer, je prends. Si je ne peux pas payer, je ne prends pas. Alors, Rabbi Nachman, lui, il nous met tout de suite à l'aise. Il nous dit, regardez, si vous êtes venu pour faire tchouva, c'est très bien. Mais sachez une chose, que tchouva, vous ne pouvez pas faire tchouva. Vous ne pourrez jamais faire tchouva. C'est clair? Voilà, alors restez tranquille. Moi, je vais faire tchouva pour vous. Vous ne faites pas tchouva. Moi, je vais faire tchouva pour vous. Vous, rien que faites ce que je vous dis de faire, c'est tout. Mais tchouva, sachez que vous ne pourrez pas faire. Mais moi, je vais faire tchouva pour vous. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a envoyé des tzadikim dans le monde qui ont pris complètement sur eux tout le problème du Ham Israël. Vous voyez, quand il y a eu, par exemple, la guerre des six jours en Israël, il n'y a eu que des miracles. Tout le monde, il vous raconte, c'était que des miracles. Même les Syriens, tout, ils ont raconté, les généraux syriens, ils ont dit, c'est pas une guerre, c'est que des miracles. Quand ils ont demandé au Pentagone de faire une enquête sur la guerre des six jours, on dit, on peut pas faire d'enquête, il y a aucune logique, c'est que des miracles. Vous savez que la guerre des six jours, Golda Meir, tout ça, ils avaient préparé des cimetières en Israël pour tout le monde, parce que pour eux, ils savaient que c'était terminé. D'après leur logique à eux, ils savaient que c'était terminé. Maintenant, il y a eu des miracles. Maintenant, au lieu d'être content qu'il y a eu des miracles, ils ont dit, ah, on a, voyez, on est fort, on a gagné la guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu Jérusalem aux Arabes. Les Arabes, ils étaient tous partis. Tous, ils avaient quitté Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont dit, non, non, revenez, pourquoi vous partez? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à supporter les cadeaux. Ils disent, non, 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 nous, on veut payer, nous. Et comme à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils sont nuls, parce que d'être attaqués par combien de pays autour de nous, c'est impossible de pouvoir faire la guerre contre ces gens-là. Ils étaient
Rien que l'Égypte, c'est un pays où il y a, je ne sais pas combien, c'est, l'armée égyptienne, c'est 2 millions ou 3 millions de soldats. Tous les gens qu'il y avait en Israël, ce n'était pas l'armée égyptienne seulement. Et avec les Syriens, avec les Libans, avec de l'armée de partout. Comment c'est possible logiquement? C'est impossible. C'est impossible. Mais maintenant, Hachem, il te fait un cadeau. Dis-lui, il te demande une seule chose, rien que dis-lui merci et sois content, c'est tout. T'occupe pas, c'est lui qui va tout faire. Tu ne vas plus rien faire du tout. Hachem, le troisième Beth Amikdash, c'est lui qui va le construire, c'est pas nous. On ne va rien faire, il va descendre tout près comme ça. Maintenant, c'est la même chose dans la vie de chacun. C'est-à-dire, cette nouvelle méthode qui a commencé à partir de Rabbi Shimon, ça veut dire que maintenant, on reçoit tout cadeau. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être content et de dire merci. Et de faire ce qu'on peut, c'est tout. Mais les gens, ils veulent vivre par rapport aux cadeaux qu'ils reçoivent. Mais personne ne peut assumer ces cadeaux-là. Personne ne peut assumer. C'est-à-dire, personne ne peut dire, moi j'ai eu le mérite, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai fait la tchouva, et je me suis marié, j'ai eu des enfants, je suis monté en Israël, et je fais ma prière, et je fais mon Shabbat. Qui est-ce qui peut dire que de par lui-même, il a découvert ça? C'est impossible par soi-même de trouver ça. C'est que des cadeaux d'Hachem. Donc Hachem, il te dit, regarde, ne t'inquiète pas, je sais très bien que tout ce que je te donne, ces cadeaux. Je te demande une seule chose, c'est sois content et dis-moi merci, c'est tout, je te demande rien d'autre. Rien d'autre, ne fais rien. C'est écrit c'est dans les Sfarim que le mot en hébreu, matana, le mot matana, c'est le même mot que hamtana, attendre. Rabbi Nachman il dit, faire tshuva, ça veut dire savoir attendre. Ça veut dire attendre quoi? Ça veut dire que maintenant, Hachem il nous fait cadeau, Hachem il nous fait une matana. Et il nous dit maintenant, regarde, ce que je te demande, c'est attends. Qu'est-ce que je veux dire attends? Ça veut dire fais ce que tu peux. Même si ce que tu peux faire, ça n'a aucun rapport avec les cadeaux que je te fais. C'est-à-dire que maintenant, même si ce que tu payes, ça n'a pas de rapport avec ce que je t'ai donné, mais moi je ne te demande pas du tout de payer ce que je t'ai donné. Je ne te demande pas d'être au niveau de ce que je t'ai donné parce que je sais très bien que tu ne peux pas. C'est pour ça que je te l'ai donné, parce que je sais que le monde, aujourd'hui, il ne peut plus payer la lumière que je vais vous donner. Cette lumière-là, c'est Yeshua, Eretz Israël. Qui est-ce qui peut dire « j'ai le mérite de vivre en Eretz Israël » Personne ne peut dire ça. Qui est-ce qui peut dire « j'ai le mérite » Même d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon, c'est écrit que le Or HaChaim HaKadosh, quand il est venu sur la tombe de Rabbi Shimon, il est monté à quatre pattes, depuis en bas de la côte jusqu'en haut, il est monté tout à quatre pattes. C'était qui le roi Chaim HaKadosh? C'était un tzaddik Elion, un kadosh. Il est monté à quatre pattes sur la tombe de Rabbi Shimon. Parce qu'eux, ils savaient qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon un petit peu. Nous, on sait rien. Aujourd'hui, les gens, si l'autobus ne s'arrête pas en haut, les trucs, ils disent non, je ne peux pas aller. L'autobus, il arrive pas là, ou les trucs. Les gens, ils n'ont pas de force pour rien. Aujourd'hui, les gens, ils ont. Mais Hachem, il le sait, ça. Et Hachem, il ne fait que nous ajouter des cadeaux, il va nous ajouter, vous allez voir, de plus en plus. C'est pour ça qu'Hachem, il nous empêche d'agir. Parce qu'Hachem, il veut qu'on reste tranquille, parce qu'il va tout faire pour nous. De la même manière qu'il va faire le Beth Amikdash, de la même manière, il va nous débarrasser de tous nos ennemis sans qu'on fasse rien du tout. On ne va rien faire du tout. Mamash, rien du tout. C'est écrit dans la paracha. Vous verrez que vous ne ferez rien du tout. Vous allez rien faire, moi je vais faire la guerre pour vous, moi je vais tout faire pour vous. Et la seule chose qu'Hachem demande, c'est de se laisser guider, d'être joyeux, de dire merci, c'est tout. C'est ça la méthode de la Torah d'aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas essayer de faire semblant. Il y a des gens, ils veulent faire semblant qu'ils sont au niveau de la lumière qu'ils reçoivent. Mais après, ils sont très déçus d'eux-mêmes. Parce qu'ils voient que les Maasi, ils ne peuvent pas payer la lumière qu'Hachem leur donne. Ils voient une lumière extraordinaire, des cadeaux extraordinaires. Et à côté, ils ont des comportements qui sont complètement en contradiction par rapport aux cadeaux qu'ils reçoivent. Alors les gens, ils sont tristes, ils ne sont pas contents. Rabbi Nachman dit, pourquoi tu n'es pas content? Hachem, il te fait des cadeaux, mais pourquoi tu n'es pas content? Il dit, non, mais parce que moi, j'aimerais quand même être au niveau. Hachem, il nous donne tellement de bonnes choses. Moi aussi, j'aimerais faire des efforts. J'aimerais aussi être mieux. Et pourquoi je ne suis pas bien? Et alors, la personne, elle veut être à la hauteur de la lumière qu'elle reçoit. Mais
Rabbi Nachman nous dit, on ne peut pas être à la hauteur des cadeaux qu'on va recevoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la tshuva, c'est un cadeau. La lumière, c'est un cadeau. La Torah, c'est un cadeau. Eretz Israël, c'est un cadeau. On nous demande une seule chose. Assieds-toi, sois content, dis merci, c'est tout. Et fais ce que tu peux, c'est tout. Ce que tu peux, il faut le faire. Parce que tu peux le faire. Mais ce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est tout. Il dit, mais ce n'est pas en rapport. Tout ce que Hachem il me donne par rapport à ce que je fais, c'est rien. Mais Hachem, il le sait très bien que tu ne peux pas faire. Hachem, il le sait. C'est pour ça que le système, il est comme ça aujourd'hui. Et Béhémeth, Hachem, il fait que les générations, elles sont de plus en plus faibles en capacité de faire, mais elles sont de plus en plus grandes en révélation. Vous voyez qu'il y a plus de révélations chaque jour de ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, quelqu'un il veut étudier la Gemara, par exemple. Ben, il y a la Gemara, elle est traduite en français. La Gemara, elle est traduite en anglais. La Gemara, elle est traduite en espagnol. On voit que la Torah, Hachem, il facilite. Et d'un autre côté, vous voyez, les gens, ils sont de plus en plus faibles. Ils arrivent de moins en moins à faire les mitzvot de façon complète. Ils font les mitzvot, mais pas vraiment de façon parfaite. Ils font un petit peu comme ça. Ils n'arrivent pas à faire vraiment les choses de façon parfaite. Vous voyez comment ils faisaient avant les gens le Shabbat, ou comment ils faisaient la kashrout. C'était des gens, des grands travailleurs. Et les gens, avant, comment ils faisaient? Ils travaillaient et après, ils obtenaient des résultats, un salaire. Imaginez-vous aujourd'hui quelqu'un qui paye ses employés le premier du mois. Au lieu de le payer à la fin du mois, il le paye le premier du mois. Il lui dit, voilà ton salaire. Mais maintenant, la personne, elle n'a pas envie de travailler après. Elle a déjà touché tout son salaire. Alors, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà ce que j'attendais, je l'ai reçu avant de commencer le mois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle dit, ben voilà, assieds-toi, sois content. Et dis merci, fais ce que tu peux, c'est tout. Voilà, on t'a payé. Fais attention, ne dépense pas tout parce que tu as un mois à tenir. Mais voilà, on va te payer avant que tu commences à travailler. Maintenant, Hachem, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il nous donne tout avant qu'on fasse quoi que ce soit. Alors maintenant, nous, comme on est habitué à une méthode de payer ce qu'on prend, alors on se sent nul parce qu'on dit, attends, mais je ne suis pas du tout à la hauteur de ce que je reçois. Je fais tous les efforts que je peux, mais je n'arrive pas à être à la hauteur d'assumer ces cadeaux-là, de payer ces cadeaux. Mais Hachem, il ne te demande pas de payer. Hachem, il ne te demande pas de payer, il te fait cadeau. Hachem, il te dit, le Beth Amikdash, tu ne vas pas le construire. C'est moi qui vais le construire. Assieds-toi, regarde, c'est tout. Tu vas voir, il va descendre tout près. Tu ne vas rien faire, même pas une allumette, tu ne vas pas amener. Rien. C'est Hachem qui va tout faire. Maintenant, c'est la même chose dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun aujourd'hui, c'est que Hachem qui fait tout. Il fait tout. Mais seulement, si on croit qu'on fait, alors ça nous rend triste. Parce qu'on voit qu'on n'est pas à la hauteur. Non seulement ça nous rend triste, mais il y a des gens même qui se sont découragés complètement. Il y a des gens, ils se sont découragés de voir qu'ils ne sont pas au niveau de payer ce qu'on leur a donné. Ils se sont découragés, même, Chas v'Shalom, des gens, ils sont lâchés la Torah parce qu'ils n'étaient pas capables de payer. Mais qui est-ce qui t'a dit de payer? Personne ne t'a dit de payer. Voilà, je t'ai donné, c'est tout. Matana. Maintenant, ce que je te demande, fais amtana, ça dit fais amten. Assieds-toi et attends, c'est tout. Attends, fais ce que tu peux et attends, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis, Hachem il va tout faire pour toi. Ça c'est le da'at, la conscience de la Torah qui a commencé à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après, quand il est venu Rabbi Nachman, il a développé ça de façon beaucoup plus technique. Il a amené beaucoup plus de techniques comment vivre cette chose-là. Comment vivre cette chose-là? De remercier Akadosh Baruch Hu, de dire merci mon Dieu pour tout ce que tu me donnes. C'est tout, voilà ce que je peux dire. Payer, je ne pourrai jamais payer. Mais je vais te dire, je vais te dire merci. Comme il raconte le fils de Rabbi Nathan, il était très malade une fois. Il habitait à Tzfat, le fils de Rabbi Nathan. Il était très malade et il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, faire tchouva, si tu me soignes, si tu me guéris, faire tchouva, je ne peux pas m'engager que je vais faire tchouva. Mais une chose, je peux te dire, c'est que si tu me guéris, eh ben, je vais te dire merci tous les jours de ma vie, je te dirai merci. Ça, je peux m'engager. Maintenant, Hachem nous demande que ça, c'est tout. Il demande de dire merci, c'est tout. Il ne demande pas autre chose. Il ne demande pas autre chose. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai nitzarti venatzer. J'ai déjà vaincu et je vais vaincre. Gamarti veigmor. J'ai terminé et je vais terminer. Alors nous, quand on voit ça, on dit, mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Rien du tout. On n'a rien à faire. On n'a rien qu'à rentrer dedans et se laisser porter, c'est tout. S'inclure dans le tzaddik, s'inclure dans le Ham Israël, rien que s'inclure, c'est tout.
s'inclure par amour, c'est tout. Par amour des tzadiks, amour du Ham Israël, amour de la terre d'Israël, amour de la Torah, c'est tout ce qu'on nous demande, de nous inclure, c'est tout. Et après, tout est fait automatiquement. Nous, on n'a rien à faire. Et il ne faut pas essayer de résoudre des contradictions, parce qu'il faut savoir que plus on va avancer, et plus on va avoir des vies très très contradictoires, parce qu'on va avoir des comportements qui ne sont pas du tout en accord avec les cadeaux qu'Hachem nous fait. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ça, ni pour nous, ni pour nos enfants, parce que nos enfants c'est encore pire, parce que vous allez voir des enfants qui vont avoir des comportements, mais complètement à côté, et ça ne fait rien, Hachem il le sait ça. Hachem, il a dit, je fais une nouvelle alliance avec vous. Une alliance où je ne compte pas sur vous du tout. C'est une alliance que moi qui suis garant, c'est tout. C'est moi qui suis garant, ce n'est pas vous, je ne vous demande rien. Vous ne mettez rien. Vous ne faites rien, c'est moi qui fais tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Et en plus, les gens, ils disent, non, non, mais moi quand même, mais moi, alors je ne suis rien du tout. Non, tu n'es pas rien. Pourquoi je fais? Parce que je t'aime, c'est tout, et je sais que tu n'es pas capable. Alors reste tranquille, c'est tout. Mais les gens, ils ont de l'orgueil. Ils disent, non, 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 mais moi... Ah non, 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 moi je ne prends pas sans payer, hein. Moi il n'est pas question. Vous voyez dans le Sipurim HaSiot, il y a un conte, dans les contes de Rabbi Nachman, du Chacham et du Tam. Il y a l'homme qui était Chacham, c'était un homme très intelligent, un génie, et un homme simple. Maintenant ces deux hommes-là, le roi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, les a envoyés chercher. Alors vous voyez les réactions des deux. Il y a l'homme simple, quand le roi il a envoyé chercher du pays, il a envoyé il a envoyé un envoyé du roi, c'est-à-dire qui est venu chez l'homme simple, lui a dit, regarde, le roi, il t'envoie chercher. Alors l'homme simple, c'était un cordonnier simple et tout. Il a dit, c'est vrai, c'est pas une blague. Il dit, non, je te promets, c'est vrai. Il dit, je suis très heureux, très content. Attends, je viens tout de suite, je prends mon manteau, j'arrive. Alors il part, et etc. Il va et il s'élève, il arrive lui-même après à être gouverneur de tous les gouverneurs. Il monte à des niveaux extraordinaires dans ce voyage-là. Maintenant, l'homme qui était chacham, l'homme qui était intelligent, lui, c'était un homme instruit. Il était philosophe, il était médecin, il était orfèvre, il était grand couturier. Et c'était un homme, un génie. C'est-à-dire, tous ses métiers, il les a appris en 3 mois. C'est-à-dire, tous les métiers qu'il fallait des années pour les apprendre, lui, il les apprenait en 3 mois. Et dans ces 3 mois-là, il devenait plus grand que le professeur qui lui avait appris le métier. C'était un génie, mamache. Alors lui, quand le roi il l'a envoyé chercher... Lui, il s'est dit, attends, pourquoi le roi, il m'envoie chercher à moi? Mais le roi, il a des gens beaucoup mieux que moi chez lui. Pourquoi il m'envoie chercher à moi? Donc, il a commencé à réfléchir. Il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que le roi, il peut avoir de besoin de moi? Alors, lui, il a commencé maintenant à vouloir être à la hauteur du fait que le roi, il l'a envoyé chercher. Alors, il cherchait comment il était à la hauteur. Et il a vu qu'il n'était pas à la hauteur. Et à la fin, avec ce raisonnement-là, où il est arrivé à dire que le roi, Chas v'Shalom, il n'existe pas. À soi, il est arrivé à la fin. Ce raisonnement-là, de la conscience, de sa nullité, ça l'a amené après à dire qu'Hachem, il n'existe pas. Mais s'il avait réfléchi une seconde, qu'il s'était dit, Hachem, pourquoi le roi, il m'a envoyé me chercher? Parce qu'il m'aime, c'est tout. C'est tout. C'est pas parce que je suis bien, je ne suis pas bien. Mais il m'aime. Pourquoi on aime rien que les gens bien? Les gens qui ne sont pas bien, on ne les aime pas. C'est-à-dire que quelqu'un, il a un fils ou une fille qui réussit pas à l'école, ça y est, il n'aime plus. Ou quelqu'un qui a cassé un verre, on n'aime pas. Ou quelqu'un qui a cassé une vitre, on ne l'aime pas. Ça n'a pas de rapport. Quelqu'un peut faire des bêtises, on l'aime, ça ne change rien du tout. Hachem, il nous aime, même si on fait des bêtises. On est son peuple, il nous aime. Il n'y a aucun problème. Son amour pour nous, il ne change rien. Il ne change jamais par rapport à notre comportement. Mais seulement la personne, comme elle a de l'orgueil à l'intérieur, elle veut être à la hauteur des cadeaux pour dire non, moi ce que j'ai eu, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui a travaillé ou quelqu'un qui a gagné au loto. Alors maintenant, le gars qui a gagné au loto, il dit, mais moi j'ai gagné au loto, c'est tout, qu'est-ce que tu veux, j'ai rien fait. L'autre, il a travaillé toute sa vie, il a gagné beaucoup, etc. Mais il a travaillé, il est arrivé. Mais moi j'ai gagné au loto, c'est nul, ça vaut rien. Pourquoi tu dis que c'est nul? Voilà, bon, Hachem, il t'a donné la richesse cadeau. Au lieu que tu travailles pendant 50 ans, il t'a gagné au loto. Mais sois content, dis merci. Pourquoi tu dis, non, 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 moi je veux pas, et moi je veux payer de mon travail. Voilà, Hachem, il t'a donné cadeau. Cette attitude-là, c'est Rabbi Nachman a dit, cette attitude de l'orgueil, de vouloir payer d'après son comportement, d'avoir un comportement qui est à la hauteur des cadeaux d'Hachem, c'est de l'orgueil ça.
Il dit, Rabbi Nachman, il dit, sois content, accepte les cadeaux et dis que non, c'est vrai que je ne suis pas à la hauteur. Et Hachem, il m'a fait cadeau. Alors Hachem, je te demande une seule chose, fais-le pour tout l'âme Israël aussi, pas rien que pour moi. Ce cadeau que tu m'as fait à moi, fais-le pour tout l'âme Israël. Parce que moi, je sais très bien que c'est que du cadeau ce que tu m'as donné. Béhémet, je sais que je ne suis pas du tout à la hauteur de tout ce que tu m'as donné dans ma vie. Mais je te remercie. Et je te demande une chose, donne-le à tout l'âme Israël. Parce que tout l'âme Israël, c'est tes enfants. La même chose que moi. Et aussi, ils sont comme ils sont, je sais que tu les aimes. Alors donne-leur à eux aussi, pas que à moi. Pourquoi tu m'as donné que à moi? Donne-leur à eux aussi. Donne-leur à tous. De la même manière que moi, tu m'as fait cadeau. Tu t'attendais pas du tout à ce que je sois à la hauteur de payer ces cadeaux-là. Alors eux aussi, là où ils sont... Chacun, il n'est pas à la hauteur de payer. Alors donne-lui, fais-lui cadeau. Et bien, maître, tout ce qu'Hachem, il attend de nous, qui avons reçu ces cadeaux, chacun où il est aujourd'hui, quelqu'un qui a été sur bon, Hachem, que vous êtes, vous avez passé Shabbat chez Rabbi Nachman, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Je me rappelle mon père, Alav Shalom Niftar, à l'âge de 94 ans. Et quand il est nifta, que j'étais sur sa tombe, je dis, papa, je sais pas dans ma vie comment je t'ai fait kibboud avahem, je sais pas parce que j'étais pas un garçon facile et j'étais pas un garçon très affectueux ni rien du tout. Mais une chose, maintenant là où tu es, tu sais ce que c'est, je t'ai amené deux fois à Ouman à Rosh Hashanah. Et je pense que ça, c'est le plus grand kibboud avahem qui existe dans le monde. Et maintenant là où tu es, tu le sais ça. Tu le sais que la valeur de ça, que je t'ai amené à Ouman à Rosh Hashanah et que tu as fait le Tikkun HaKlali sur la tombe de Rabbeinu, tu sais que toute la venue sur terre, elle valait la peine pour ce voyage à Rosh Hashanah. Alors, bon, Hachem, vous avez été à Ouman, faire Tikkun HaKlali, faire cette filote, passer un Shabbat comme ça, c'est des cadeaux extraordinaires. Profitez pour dire à Hachem, ce cadeau que tu nous as fait là, fais-le pour tout l'âme Israël. Et si on fait ça, la Geoula va venir tout de suite. Si on fait ça, la Géoula, elle va venir tout de suite. Parce que les gens qui pensent, qui payent la lumière, qui reçoivent les cadeaux, en plus, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ils deviennent égoïstes parce qu'ils croient qu'ils ont payé ce qu'ils ont. Donc, ils deviennent égoïstes parce qu'ils disent, mais moi, ce que j'ai, je l'ai mérité, j'ai travaillé. Celui qui veut, il n'a qu'à travailler lui aussi. Et tout. Mais celui qui vit rien qu'avec des cadeaux, automatiquement il sait que tout le monde peut recevoir ça. Comme lui il a gagné au loto, mais tout le monde peut gagner au loto. Il n'y a pas de problème. Puisque maintenant tout le monde vit avec ça. Alors il faut ouvrir, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il attend de nous. Pourquoi il nous a envoyé avant les autres? Pourquoi il nous a envoyé devant? C'est pour qu'on prie pour les autres. C'est une des parties de notre de la raison pourquoi le tzaddik il nous amène chez lui. C'est pour qu'on prie pour les autres. C'était plus facile pour lui de nous amener à nous que d'autres pour les raisons que lui connaît. Regardez cette année, vous êtes 20. L'an dernier, je ne sais pas, il y avait 140 ou 120, je ne sais pas combien. Cette année, vous êtes 20. Parce que vous voyez, dès qu'il y a un peu de difficulté, ça y est, c'est des gens qui sont... Les gens comme ça, simples, ils ne vont pas. Dès qu'il y a le moindre petit ombre et truc, ils ne vont pas. Vous voyez que les gens, ils sont faibles. Bon, Hachem, vous êtes là-bas, vous avez passé un Shabbat, Bon, Hachem, c'est extraordinaire. Mais vous voyez que ça demande un petit peu plus d'effort. Maintenant, dans le monde, c'est pareil. Ceux qui sont devant, ils sont capables de faire un petit peu plus d'effort que les autres. Alors, ce petit effort-là qu'on fait, il faut profiter pour demander à Kadosh Baruch Hu de dire, voilà, maintenant, il y a d'autres que eux, ils ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas pu faire l'effort, ils n'ont pas les moyens ou autre. Ils n'ont pas eu cette étincelle dans le cœur de venir. Alors fais leur cadeau ça aussi. Comme tu nous as fait cadeau, tu nous as amené ici. Alors amène tout le Ham Israël. Que tout le Ham Israël y vient. Et c'est écrit, Avraham ben Nachman, il dit que si le Ham Israël y venait, tout le Ham Israël y venait sur la tombe de Rabbi Nachman faire le Tikkun HaKlali, Mashiach vient tout de suite. Tout de suite. C'est comme les ossements de Yosef. Quand ils ont pris les ossements de Yosef, la mer rouge s'est ouverte. Et ça a été le goula du Ham Israël. Il dit, c'est la même chose des ossements de Rabbi Nachman. Si quelqu'un il va sur les ossements de Rabbi Nachman, et là-bas il fait le Tikkun HaKlali, alors c'est la geoula pour tout l'Ham Israël. Donc maintenant que vous êtes là-bas, il faut profiter de la Iloa de Rabbi Shimon et d'être à Ouman pour demander Bémet au tzaddik qu'il intervienne pour le Ham Israël, qui dit, ça y est, ça suffit de la galoute, ça suffit de la galoute amère que le Ham Israël y part. Il passe jusqu'à quand les gens ils vont être tellement à l'envers dans leur vie, passer tellement de choses
ils ont une vie complètement à côté, complètement retournée. Jusqu'à quand tu vas te laisser tes enfants comme ça? Regarde, nous, on n'est pas mieux qu'eux, qu'est-ce qu'on a de mieux? Nous, tu nous as fait cadeau et tout, alors fais leur cadeau à eux aussi, par amour, c'est tout. Hachem, il veut révéler aujourd'hui son amour pour l'homme Israël, c'est tout. Hachem, il veut montrer, il a dit, je vais montrer aux nations que je vous aime à vous, que vous êtes mes enfants. C'est ça que je veux montrer au monde.